Je suis le pasteur Apollo, du coup Jésus revient. Et nous sommes en train de finir notre mission de Douala. Et le Seigneur fait de grandes choses. Les témoins sont tellement nombreux qu'on ne peut pas tout dire. Mais il y a des choses exceptionnelles qui touchent, qu'on veut partager avec vous. On était, pendant les visites de maison, on est allé chez Maman Péniel parce qu'on a visité plusieurs familles. On a fait 3 jours, mardi, mercredi et jeudi dans les visites. Et on a prié pour les malades, on a prié pour différentes situations. Et le jour-là, Maman Péniel nous fait savoir qu'elle a une boule dans son ventre et qui lui fait toujours mal, qui fait mal de façon atroce. Et la chose est comme un être vivant qui bouge. Un problème de l'estomac. Cela a déclenché quand? Quand on a fini les 7 jours de jeûne? Ou bien pendant les 7 jours, jusqu'à la fin? Le dimanche, l'autre dimanche, c'est pas le dimanche, c'est prévu. Cela a déclenché sur moi. Je me suis allongé par terre, je me roule par terre, mais je me demande... Quand on priait? Oui, comment prier? Je sentais mal au ventre. Tout l'a déclenché sur moi. C'est comme toute maladie a déclenché sur moi. Donc on va prier pour vous. C'est ce qu'il a commencé qui est venu achever aujourd'hui. Ce qu'il a commencé le mercredi. Le fait que ça soit dans la prière que ces maladies sont déclenchées, ça veut dire que c'est des choses qui sont enfouies en vous, qui sont là et qui devaient se déclencher après peut-être pour vous faire trop de dépenses, vous faire trop mal ou même vous amener loin dans la maladie et que ça ne serait pas bien à voir mieux en temps. Mais le fait qu'il a permis que nous soyons là ce matin, c'est qu'il a quelque chose à le faire et il va le faire. Et nous le croyons, nous avons cette foi. Alléluia. Amen. Donc nous allons prier pour ta maman, pour que vraiment le Seigneur la libère de tout ce qui la dérange et qu'elle reçoive sa guérison instantanément. Amen. Ici, même avant que nous quittons. Vous sentez les choses là où vous êtes, non? Avant, il y avait quelque chose sur mon estomac. Ça faisait de bruit comme un grenouille. Tous les jours, ça fait le bruit. Si je ne mange pas, il faut que je bois l'eau. À chaque minute, je mange à chaque minute. Le jour là, c'est comme il y a quelque chose parce que je sentais mal ici à l'oreille, au côté droit. Le jour là, c'est comme la chose est quittée un peu pour descendre. Je dis au Seigneur, si cette chose là avait quitté à moi, je serais très content. Bon, le jour là, je me sens pris un peu, mais aujourd'hui là, j'ai mangé le poulet pour voir si ça va encore caler. Au-dessus, c'est descendu. C'est là que je sais que peut-être le Seigneur a commencé. A commencé. Et là, cette chose descendre. N'est plus là, il a déjà quitté au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je dis, si c'est un enfouissement, comment faire ça? Le boule qu'on cherche, je trouve. Et elle nous avait même montré la caricature, la photo des examens médicaux qui ont été faits à son endroit. On a même vu la boule qui était noire à l'intérieur. Et on a prié pour elle. Elle avait aussi dit que sa hanche, elle avait assez de problèmes au niveau de la hanche. Elle avait assez de douleurs. Le jour-là, on a ordonné au nom de Jésus que la boule disparaisse, que la boule soit tuée et meure, et que la hanche aussi soit guérie. Ok, d'accord. Ah, c'est l'heure de votre guérison. Hein? Amen. Jésus va le faire. Ça, c'est votre ventre, hein? Non, c'est moi. C'est dans votre intestin. L'estomac, c'est là. Bon, le docteur m'a dit que ce n'est pas bon, comme c'est bon. Voilà le bout qui est là. Ça chose, voilà. Oui, la chose, voilà. Bon, le docteur m'a dit que disons, l'eau qui était à l'intérieur du moi. Bon, ils ont rien trouvé là. La main de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu te couvre. Et maintenant, il enlève. Il enlève. Il le fait descendre. Il descend. Ce qu'il a commencé, il achève. Ce qu'il a commencé en toi, il achève. Je commande à cette maladie. Je commande à la boule noire qui se trouve dans ton estomac de sortir de toi. L'attends. Allez, quitte-la au nom de Jésus. Disparais. Lâche-la. Disparais. Lâche-la. Disparais. Lâche-la. Disparais. Lâche-la. Disparais. Lâche-la. Disparais. Maintenant. Jésus. Tout ce qui pourrissait déjà dans ton ventre, pourrissait dans tes membres, le Seigneur Jésus l'enlève. Il enlève maintenant. Il enlève maintenant. Il enlève maintenant. Dieu de guérison, Dieu qui restaure, maintenant agis. 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 Au nom de Jésus. Et c'est aujourd'hui
aujourd'hui après le culte qu'elle me témoigne que depuis le jour où on a prié pour elle, toutes ces choses ont disparu. La boule a disparu de son ventre, les douleurs au niveau de la hanche et au niveau des reins ont aussi disparu. Maintenant elle est là, dites-nous ce que le Seigneur a fait pour nous. Ce que le Seigneur a fait pour vous, en quelques mots. Le Seigneur m'a fait quelque chose vraiment terrible, oui. Elle m'a guéri. Uh-huh. C'est ça vraiment que je dois remercier le Seigneur Jésus-Christ. Uh-huh. Elle m'a guéri. Est-ce que vous sentez la boule en sens, votre... Je ne sens plus rien. Uh-huh. Rien. Ni les boules, amen. Ni l'estomac, rien. Même le hanche là que je sentais mal. Amen. Je ne sens plus rien. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur. Dieu. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous prions que cela ne revienne plus jamais. Jamais, ça ne revient plus. Amen. Voilà ce que le Seigneur a fait pour notre maman. Et nous lui disons infiniment merci. Si vous voulez vraiment la vie éternelle, cela se trouve en Jésus. Et dans cette vie éternelle, Jésus guérit aussi les malades. Il opère des grandes choses, il ressuscite des morts. Et il confirme que nous avons la vie éternelle. Soyez bénis.